professeur Prochaska a eu l'idée dans les années 2000 de créer un nouveau polymère sur la base de la caséine, la protéine du lait, pour faire un nouveau plastique thermoplastique biodégradable, écologique et même comestible. L'impact de l'Actips sur l'environnement en fait est double parce que d'un côté on va pouvoir apporter une solution qui soit durable, écologique et saine puisque nos produits sont entièrement solubles dans l'eau et ne vont laisser aucune trace dans les eaux après 20 jours, c'est la biodégradabilité totale. Et de l'autre côté, notre produit en plus, pour tout ce qui va être les produits de la détergence, utilisation donc en non comestible, vont être utilisés avec des laits qui sont voués à la destruction, qui sont plus faits pour être alimentaires. Donc on va être en capacité en fait de faire une chaîne d'approvisionnement sur des caséines qui sont impropres à la consommation. La première raison de choisir l'Actips, c'est que nous sommes disruptifs, que nous apportons de nouvelles solutions aux industriels. La seconde est que nous sommes sains et écologiques. Et en troisième, puisque l'Actips est une entreprise engagée sur son territoire, Saint-Étienne Métropole, au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et que nous allons créer de l'emploi et des nouvelles possibilités pour ce territoire. L'histoire entre l'Actips et BNP Paribas commence dès le début en 2014, puisque BNP Paribas nous a fait confiance au départ et nous accompagne tout au long de notre développement. Et au-delà de la relation financière entre son banquier et l'industriel, nous avons un partenariat sur la communication et sur le développement. Et nous mettons en commun nos ressources pour pouvoir développer et la banque et l'entreprise.